Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un lit pour votre chat ou pour votre chien sans coudre. Alors, on aura besoin d'un coussin que vous n'utilisez plus, d'une couverture en tissu comme que vous n'utilisez plus, des ciseaux et une règle. Alors, vous pouvez faire ça par terre ou sur une grande table, mais moi je vais faire par terre. Alors moi, je vais prendre deux coussins comme ça, parce que brioche est un peu grand. Après, on va les remettre comme ça, ici. Et on va essayer pour que les coins se touchent. Alors, on va prendre la règle et on va mesurer seulement le tissu qui est comme vers le haut, comme environ ici. Alors maintenant, vous allez enlever les coussins. Il le remet comme il était avant. Si vous n'avez pas un grand, comme une grande couverture ou un grand tissu, vous pouvez aussi utiliser deux petites. Ça marche aussi. Alors, maintenant, nous allons couper. Alors, on va mettre des règles ou des affaires pour qu'on sache environ jusqu'où on va couper. Et on va couper la mesure entre ça et d'environ de 3 cm. Alors, quand on coupe au coin et on coupe comme ça, cette partie dérange. Alors, on va carrément couper comme ça. On va mettre l'affaire ici et on coupe. Et nous recommençons et nous allons recommencer à couper comme ça. On va prendre des morceaux, on les plie comme ça et on le coupe au milieu et on va couper un petit trou comme ça environ, non plus grand, environ comme ça et aussi dans les bas et dans l'autre côté aussi. Alors, on va prendre celui d'en bas, on va le mettre dans le trou, comme ça. Après, on va le remettre. Et on va le refaire une troisième fois. Et on va faire ça pour toutes. On va le replier et on va faire un petit trou là-dedans. Et on va refaire aussi en bas. On va prendre, on va mettre sa fourrure dans les petits trous. Et on tire. On va aussi le remettre dans l'eau. Aussi le mettre dans le petit trou. On tire. On le remet.
tire et c'est bon. Alors, maintenant, nous allons mettre les coussins. On va le secouer. Alors maintenant, on va le fermer et c'est presque la même manière qu'on avait fait avant. On le met un trou dans celui-là. On tire. On trouve le trou. On le met dedans. On le met. On va le pointer. On trouve le trou, on met le doigt. On le remet. Mais on le tire. Et quand c'est bon, on le met dedans. Comme ça, on aurait l'impression qu'on a cousu. Et on le refait. J'avais fait ça pour Brioche parce que quand je travaille à mon bureau, Brioche vient et son lit est au salon, dans mon salon. Et il n'a pas de lit, alors je fais ça pour que ce soit comme son deuxième lit à côté de mon bureau. Et on va l'appeler Brioche! Les Gusta. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, commenter, de t'abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification dans toutes pour ne rater aucune de mes vidéos. Et on se revoit à la prochaine. Ciao.